Le musée départemental de la Résistance Henri Queuil de Neuvic offre aux visiteurs deux espaces d'exposition permanente et un espace dédié à des expositions temporaires. Les enfants d'Henri Queuil ont offert le bâtiment au département. Le musée a été inauguré en 1982 par le président Mitterrand. Au rez-de-chaussée, l'espace est dévolu à la vie du grand homme que fut Henri Queuil, né à Neuvic en 1884 et maire de Neuvic de 1912 à 1965. Il s'opposa au maréchal Pétain en 1940 pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Il deviendra par trois fois président du Conseil sous Vincent Auriol. Au premier étage, l'espace est dédié à la résistance en Haute-Corrèze. On va retrouver une histoire, l'histoire de la résistance concernant toute la Haute-Corrèze. Si bien qu'au fur et à mesure que vous allez passer dans les salles, vous allez voir qu'il n'y a pas que le maquis, qu'il y a l'histoire de tous les mouvements de résistance qui se sont établis de la Haute-Corrèze. Autrement dit, la résistance du plateau de Millevaches. Et nous descendons pour les documents et tout ce qui est affiché jusqu'à Égletons. Le musée départemental de la résistance Henri Queuil à Neuvic vous accueille tous les jours gratuitement.